Des fiches. Des fiches. Oh putain de... Bon allez, en route pour la Week Story 24. J'en profite pour vous préciser que tous les soirs à 19h30 sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les anciennes Week Story que l'on a pu faire depuis le début. Sur cette Week Story, j'avais envie de vous parler d'un point essentiel sur une restauration. Je vais vous révéler un petit secret de fabrication interne. Le secret d'une bonne restauration bien orchestrée commence par la phase du début étant le démontage. Le démontage est une phase où on doit respecter un protocole très précis, où on va faire l'inventaire des pièces qui sont à remplacer, à traiter ou à conserver en l'état. Et ça, c'est essentiel pour qu'au moment du remontage, on va dire 12 à 18 mois après, sur un chantier long, et ben de savoir exactement, d'avoir les pièces au moment opportun pour pouvoir le remonter, avec également toutes les photos qui auront été prises au préalable lors du démontage. Et croyez-moi, plus d'un an après, ça vous aide bien. Sur cette voiture, déjà, on a réalisé une journée complète de démontage, 8 heures, pour déséquiper l'ensemble de la carrosserie. Il va nous rester un petit peu de mobilier intérieur et surtout déposer toute la mécanique, moteur, train roulant, la positionner sur un chariot roulant d'atelier et ensuite on l'envoie au décapage, aérogommage coque de noix chez Décapsol. Très très beau projet en perspective. Moi personnellement, cette Ferrari 400, j'adore. On aime ou on n'aime pas, on est dans le design des années 70-80, c'est-à-dire qu'on est vraiment taillé à la serpe, on est vraiment sur du design, on va dire, très simple, très épuré, mais je vous assure que dessiner une voiture comme ça avec un tel équilibre de design, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. On n'est pas sur une multitude d'artifices avec des entrées d'air, des changements de volume partout, on est vraiment sur la pureté. Et cette voiture, moi je trouve que ses proportions, bah, personnellement, je les trouve intemporelles. C'est une très belle voiture. Bon, bah, je vois que la fourmilière a rangé tout l'atelier. À mon avis, ils sont partis ou alors ils sont en train de vider ma cave de champomis. Mais voilà, moi je dirais à la semaine prochaine, affaire à suivre. On a enlevé les deux rampes d'injection, les deux collecteurs, l'admission complet. Et puis voilà quoi, tout ça pour deux petits joints. Jérémy, il est où Jérémy? Il est pas là. Jérémy, c'est la 4L, on est vendredi. Elle est toute seule, elle s'ennuie là. Qu'est-ce qui se passe les gars là? Il est où Jérémy? Eric? Jérémy, c'est quoi? Il est pas sur la 4L. Il est pas en dessous? Non. Des fois il est en dessous la 4L, faut se méfier.